Salut, salut, j'espère que tout va bien chez vous, que vous passez une très agréable journée ou soirée. Et moi, en tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle, comme vous avez pu vous en douter. J'espère que vous êtes content que je vous présente des oracles. Du coup, je vais faire un peu plus de zoom. C'est toujours ici aussi un oracle un peu plus ancien, pas très 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 ancien, mais voilà, il y a quelques temps quand même. Et c'est aux éditions Exergue cette fois-ci. C'est de Karine Malenfant. C'est l'archange Gabriel, enseignement et protection. Alors j'aime beaucoup la boîte qui est très jolie. Je vous avais déjà présenté un autre oracle de Karine Malenfant, l'oracle Raphaël, si je ne me trompe pas. Je vous le mettrai juste ici, soit en écrit, soit ou à la fin, je verrai. Et franchement, j'aime beaucoup ces cartes. Elles sont pour moi très intéressantes et elles me parlent assez bien. Donc, n'hésitez pas, avant que je vous présente cet oracle, à vous abonner, à liker et à commenter si le cœur vous en dit. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc vous avez une petite boîte ici, hein. Elle est toute mate avec des polices d'écriture, vous voyez, un petit peu brillantes et d'autres pas. Donc je vais vous lire derrière. Donc l'archange Gabriel, lui, c'est plus pour l'enseignement et la protection. L'archange Gabriel nous apporte les connaissances nécessaires à notre cheminement spirituel afin de nous guider vers la lumière. Il nous montre que nous serons aptes à ressentir la paix intérieure lorsque nous cesserons de chercher le bonheur en dehors de nous-mêmes. Grâce à cet oracle de 44 cartes magnifiquement illustrées, accompagné d'un livre explicatif, vous recevrez les messages inspirants de l'archange Gabriel pour vous relier à son rayon jaune, ressentir et développer votre compassion et éclairer votre démarche spirituelle. Voilà. Donc Karine Malenfant, c'est un maître Reiki et médium. Elle canalise les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés depuis de nombreuses années. Moi, je l'ai acheté au prix de 22,90 euros. Maintenant, peut-être ça a augmenté. Je n'en sais absolument rien. Voilà. Donc, on va regarder tout de suite, du coup, le livret. Donc, c'est un livret qui est en noir et blanc. Il est sorti en 2016 et moi je attendez. En 2018, il a été paru par les éditions Exergue. Voilà. Donc du coup, moi je l'ai eu je pense aussi vers 2018-2019, un truc comme ça. Alors on a la table des matières, voilà. Donc, on a comment se servir des cartes oracles de compassion, comment faire un tirage avec les cartes oracles, tirage à trois cartes, carte du jour, la signification des cartes oracles de compassion selon l'archange Gabriel. Et ensuite, on a toutes les cartes qui sont bien écrites aussi dans une écriture assez grosse, plutôt sympa. Voilà, et à propos de l'auteur. Alors, on va aller tout de suite voir en fait les tirage. Donc on a le tirage à trois cartes. Je pense que c'est passé, présent, futur. Oui, c'est ça. Et la carte du jour. Donc on a une petite carte à prendre. Ben voilà, on vous le dit au matin. Demandez à l'archange Gabriel de vous offrir un message qui vous inspirera tout au long de la journée. Voilà. Chaque carte ici qu'on va voir après est accompagnée d'un mot et d'une brève description. Dans ce livret, vous trouverez des messages supplémentaires de l'archange Gabriel. Voilà. Donc on a quoi, par exemple, agir maintenant? On a un petit, je sais jamais le dire, un petit verset ici. Donc le moment est venu de comprendre les raisons de votre indécision présente, etc. Vous avez tiré cette carte car le moment est venu de lâcher prise sur le passé. Et ensuite, autre signification de cette carte. Par exemple, vous avez
une décision importante à prendre et vous ne savez pas quoi faire, prenez une grande respiration et osez sortir de votre zone de confort. Donc on a ici à peu près trois petites autres définitions, significations de la carte, et c'est comme ça pour tout. Alors à la fin, je ne sais pas si on voit Karine Malenfant ou pas. Non, on ne la voit pas. Voilà. Alors, au niveau des cartes, elles ont une tranche dorée. La carte, le dos est très beau. Le carte, ben ça va, hein, c'est tout quasi les mêmes de toute façon. Voilà, c'est à peu près mat brillant. J'aime beaucoup. Et puis on va regarder les cartes une par une. Je vais juste zoomer, faire un petit zoom. Elles sont dans le sens mélangé, hein, bien sûr, parce que moi, je m'en suis déjà servi. Voilà. Donc on a la conscience volontaire. Et même on va faire comme ça. Hop. Ainsi, comme ça, c'est plus simple. Voilà. Ouvrez votre soleil intérieur. Entendez la voix de votre cœur. Donc ici, ça ne me dérange pas du tout. C'est vraiment sur trois parties, en fait. On a un petit bandeau où il y a vraiment le début vraiment de ce qu'il y a dans le livre. Et puis, on a la phrase. Et puis, on a l'illustration qui reflète. Alors, les nombres angéliques ici. Les années-lumière. Soyez attentifs. Nouvelle énergie. Présence, je suis. On a la prospérité. J'ai mis de la sauge en encens, mais franchement, la sauge blanche, j'adore trop. C'est vraiment un de mes parfums préférés au niveau de l'encens. Agir maintenant. Celle-ci, je la trouve très chouette. Très belle. Visualiser, c'est créer. Amour inconditionnel. Mission terrestre. Celle-ci aussi est belle. Vos prières. Trouver la paix. La vérité. Les liens karmiques. Les signes. Laquelle de ces phrases vous parle le plus à l'instant T? J'aimerais bien savoir. Changez votre façon de penser. On a Dana, la déesse Dana, la magie des mots, guérison cristalline, purifiez vos chakras, harmonie de l'espace, chemin de compassion, j'aime bien celle-ci. Elle est chouette. Je sais pas pourquoi à chaque fois la maison, ça me fait quelque chose. On a Isis. Ouvrez la porte. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Relation amicale et familiale. Le royaume des anges. J'irais plutôt au royaume de Dieu parce que c'est quand même... S'il n'y avait pas Dieu, il n'y avait pas les anges. Donc ils sont là-haut. Hein. Le jardin de l'éternel. J'ai oublié de vous le dire. Hop. Le miracle. Celui-ci se trouve un petit peu... Voilà. Je trouve la carte est un peu terne. J'ai trouvé toujours trouvé terne en fait. Je sais pas. Enfin bref. Imagination. Celle-ci est très belle. Moi j'aime bien les jardins de la vente comme ça. Harmonie de partage. La terre-mère. Rencontrer votre moi divin. Ego. Tout va bien. L'archange Gabriel. Tu
du coup. Manifestez vos rêves. Harmonie du cœur. L'humour. Déchiffrez votre âme. Trouvez du temps pour vous et votre endroit secret. J'aime bien aussi celui-là. Qu'est-ce que vous en dites? On se fait une petite carte. Pensez à une question qui vous taraude. Un petit peu pour vous montrer aussi ce qu'on pourra avoir comme réponse en fait. Vous voyez? Parce que c'est vrai que présenter, bon, c'est bien, mais si vous ne voyez pas ce que ça pourrait sortir, ben, du coup, c'est un petit peu... c'est un petit peu que vous allez être dans le flou, en fait. On va prendre celle-ci. Hop. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit quand... La Terre-Mère, elle va sortir, en fait. Alors, elle est votre lien avec l'énergie Gaïa. La nature est la plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos quatre murs et partez à l'aventure. Côtoyez les animaux et les végétaux et prenez le temps de respirer profondément. Je pense que actuellement vous êtes trop enfermé chez vous en fait. Vous êtes vraiment en métro boulot dodo. Et il y a un moment, on s'enferme à l'intérieur de soi, ça c'est clair. Quand on est trop enfermé chez soi, de toute façon, on s'enferme à l'intérieur de soi, ça c'est une chose que je suis sûre, parce que je le vis, quoi, en fait. C'est difficile parfois de sortir. Parfois, ben, peut-être on va trouver sur son chemin quelqu'un qui va nous pousser, qui va nous mettre la motivation nécessaire pour dire, ben voilà, tu viens avec moi, on va aller se promener, on va aller à telle place, on va aller un peu respirer, on va changer un peu l'air. Et voilà, c'est quelque chose que vous avez besoin de faire parce que, ben oui, si vous restez à la même place, ben en fait, c'est un petit peu un niveau difficile par la suite. Je sais ce que je dis, je peux vous le certifier. Donc du coup, ben voilà, essayez de faire un pas en avant, même si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas quelqu'un pour vous pousser, ben essayez de faire ce pas en avant, vous voyez. 30 minutes par jour de reprendre peut-être voilà cette énergie plus vivifiante qui se trouve dehors. Et vous n'êtes pas obligé non plus de le faire tous les jours, mais vous voyez, vous mettez je vais le faire voilà cette semaine, je le fais une fois. Puis ensuite, vous élevez le level, en fait, c'est un petit peu comme le sport, etc. Au début, c'est un peu dur, puis après, on a envie de se dépasser parce qu'on y est habitué et qu'on veut autre chose. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, hein, dites-le-moi si cette carte vous a parlé ou si elle vous a pas parlé du tout, hein, pourquoi pas, parce que c'est vrai que ce sont des cartes générales et... que du coup ça parle pas forcément à tout le monde, hein. Voilà, donc je vous souhaite de passer une agréable journée, qu'elle soit au début ou à la fin. Profitez bien de vos proches, profitez bien de vous, soyez bon envers vous-même, hein, surtout voilà, soyez dans la confiance pour tout. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.